Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'ai pas dormi de la nuit, ça se voit ou quoi? Oh non, j'ai une tête. Franchement, ne prenez pas peur. J'ai ma plus petite fille, celle qui a presque 3 ans, qui a été malade toute la nuit. J'ai dû dormir le plus, je crois, d'affilée, 1 heure et demie quoi. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fout, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo make-up et plein de choses. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner aussi les résultats des concours. Alors, rapidement, merci, vraiment merci, parce que vous avez été à peu près 200 quoi, à participer. Donc, voilà, c'était énorme, énorme, énorme. Donc, j'ai pris en compte toutes les participations qui respectaient vraiment les conditions, c'est-à-dire être abonné à ma chaîne, liker, commenter et partager soit ma chaîne, soit une de mes vidéos. Et ça faisait quand même environ 200 personnes, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps voilà, à tout vérifier, voilà, pour ne prendre en compte que les personnes qui avaient vraiment rempli toutes les conditions, sinon c'était assez, assez injuste. Je vous mettrai les noms des gagnants ou des gagnantes au montage, en fait, dans la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ont gagné, à me contacter sur Insta en privé pour qu'on puisse voilà, procéder aux échanges de coordonnées et tout, pour que je vous envoie les petites trousses quoi, les petites trousses que vous avez gagnées. J'espère que vous êtes contents. Je suis encore une fois désolée pour tous ceux qui n'ont pas gagné. Comme je le dis, voilà, assez souvent, j'aimerais vraiment faire gagner tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais voilà, c'est un concours, c'est le jeu. Juste sachez que le prochain concours, ce sera dans 2-3 mois. Voilà, je pense en décembre, d'ici la fin de l'année. Et là par contre, ce sera 2 trousses complètement identiques, ce sera vraiment les mêmes, comme ça vous n'aurez pas à me dire celles que vous préférez éventuellement, ce sera exactement les mêmes trousses. Cela dit, je vous remercie aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup 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 de personnes qui sont abonnées récemment. Alors les mauvaises langues diront qu'elles se sont abonnées pour le concours, je m'en fous, les mauvaises langues je les envoie chier, tout simplement. Non, alors il y a sûrement des gens hein, qui se sont abonnés que pour le concours. Et ça fout un peu les boules, je le sais parce qu'elles me l'ont dit, à certaines abonnées qui sont là depuis le début et tout. Mais en fait, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont découverte, peut-être avec cette vidéo, peut-être avec ce concours. Mais voilà, je reste convaincue que, alors certes, ces personnes ont participé, mais elles m'ont découverte. Et si elles aiment ce que je fais, si elles aiment ma façon d'être, ma personnalité, mon contenu, mes vidéos, et eh ben elles resteront sur ma chaîne même si elles n'ont pas gagné. Et puis si elles n'ont pas gagné et qu'elles s'en vont, c'est que effectivement elles ne s'étaient abonnées que pour le concours et tant pis. Et ben dans ce cas là salut quoi, voilà, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un truc que je tenais à dire parce que c'est revenu assez souvent, il y en a qui s'abonnent que pour le concours, tout ça. Mais voilà, je me dis, pour moi c'est une façon aussi qu'on me découvre. Et après si on m'aime, on reste quoi, voilà, c'est tout. Tout simplement, allez, je ferme la parenthèse concours. Donc voilà, si vous avez perdu, c'est pas grave. Comme je vous dis, il y en aura un prochain très bientôt, enfin d'ici la fin de l'année. Donc faut retenter sa chance. Donc on va se faire un petit make-up aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. On va se faire un petit make-up vraiment très simple, nude en fait. En fait, c'est le genre de make-up que je fais pas souvent sur ma chaîne, mais que je fais énormément au quotidien. C'est-à-dire un make-up nude. Donc là, je vais prendre cette petite palette MAC de nude, c'est-à-dire un make-up en fait, vous voyez, avec bah, des marrons, voilà, des vraiment le make-up neutre dans les marrons beige, voilà. Et c'est vrai que c'est un genre de make-up que je fais très 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 souvent, la plupart du temps d'ailleurs, pour aller bosser et tout, enfin voilà. Mais sur ma chaîne, je sais pas, je le fais pas très souvent. Donc comme aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, tout ça, et ben voilà, je vais pas me prendre la tête. On va se faire ça avec cette petite palette MAC, pardon. Vous prenez n'importe quelle palette de nude, hein, de toute façon, et c'est le make-up le plus simple qui soit, je pense. Et le make-up qui va surtout à tout le monde, quelle que soit la couleur de votre peau, de vos yeux et tout, donc ça c'est top. Donc écoutez, c'est parti. J'ai pas fait grand chose sur mon teint, mais c'est pas grave, je le ferai après. Et ben on va y aller. En fait, je mets pas de base à paupières parce que dans cette palette, ce qui est super, c'est qu'il y a ce fard là par exemple. Enfin, il y a ces deux là, vous voyez, celui-là là et celui-là, qui permettent en fait de poudrer la paupière. Donc je vais me servir de ça. Par contre, je vais pas me servir du petit miroir de la palette, il est tout mini mini. Je vais prendre un petit pinceau Anastasia, celui de la Glam Glow. Ces pinceaux, ils sont top top. Et je vais prendre le fard le plus... Je prends celui-là là, celui qui est un peu noisette, parce que en fait, c'est deux mats. Celui-là, il est un peu plus marron gris, quoi, taupe. Et celui-là, il est un peu plus, comment dire, un peu plus chaud, quoi, un peu plus noisette. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci. Et celui-là, je vais l'appliquer un peu partout, en fait, sur ma paupière, histoire d'uniformiser la paupière et de la poudrer, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Et du coup, je voulais vous parler d'un truc, en fait. En même temps que je me maquille, je vais parler de ça.
de mon évolution sur YouTube. Parce que vous savez, j'ai créé ma chaîne, ça fait pas très longtemps, c'était en fin d'année 2018. Et hier, je suis tombée, je sais pas pourquoi, j'étais sur ma page quoi, et j'ai cliqué sur dans les vidéos les plus populaires là, je sais plus, c'était mes palettes préférées, comment maquiller des paupières tombantes. Et je sais pas, j'ai cliqué, je l'ai regardé. Oh, mais alors, mais je... J'ai flippé, mais je vous jure, j'ai trop flippé. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de parler comme ça, d'être comme ça. Je vous jure, j'ai... En fait, bon, pour avoir une chaîne YouTube, faut vraiment pas se prendre au sérieux, je pense. Faut surtout vraiment avoir de l'autodérision. Parce que franchement, quand j'ai regardé mes... Et du coup, j'en ai enchaîné sur 2-3 autres, en fait. 2-3 autres de mes premières vidéos. On va dire, allez, des 2 premiers mois. Et quand je me regarde, mais je me dis, c'est pas possible. Si les gens, ils voient ça, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis toute timide. Je suis hyper pédagogique et tout. Je suis pas vraiment moi-même, en fait, dans mes premières vidéos. Bon, après, je pense que c'est normal. J'osais pas trop, en fait. Je venais de créer ma chaîne YouTube. Donc, voilà, j'osais pas trop encore. Je pense que c'est tout le monde, hein, quand on crée une chaîne. On est un peu, au début, un peu timide devant la caméra. On sait pas trop comment parler, comment se positionner. Enfin, voilà. C'est pas évident, en fait. Vous voyez la vidéo, vous savez que je vous parle à vous. Mais moi, quand je filme face à mon appareil, en fait. Donc... Et qu'est-ce que j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé en regardant ces vidéos. Et à un moment, je suis là et je dis... alors voilà, donc effectivement nous avons des tons neutres, des tons chauds, donc ça c'est parfait hein, quand on a la paupière un petit peu tombante, ça permet effectivement d'agrandir l'œil mais également de le rehausser. La vidéo elle est, ouais c'est ça quoi, elle est hyper pédagogique en fait, enfin ça m'a fait rire. Et à l'époque aussi, au niveau de mon travail, personne ne savait que j'avais une chaîne YouTube, donc j'osais pas trop en fait. Je restais vraiment sérieuse, neutre, alors que maintenant, voilà, tout le monde sait que j'ai une chaîne YouTube. Donc maintenant je suis moi-même, je me lâche, enfin en fait je suis moi-même tout simplement. Mais vraiment j'ai rigolé, hein. J'ai vraiment rigolé. Vraiment, vraiment, si vous regardez une de ces premières vidéos, si vous faites partie des nouveaux ou des nouvelles abonnés et que vous regardez une de mes premières vidéos, ne vous fiez pas à ça, s'il vous plaît. Venez regarder plutôt les dernières, ne restez pas sur cette image des premières vidéos. Bon, après, je les laisse parce que c'est aussi... voilà, c'est mes premières vidéos et ça montre aussi l'évolution de la chaîne. Donc, je les laisse, bien sûr. Mais franchement, hier, quand je les ai regardées, quelque part, j'avais honte, en fait. Je me suis dit, mais non, mais supprime ça, c'est pas possible, c'est pas possible de regarder ça, c'était pas agréable à regarder en fait, et c'était pas moi quoi, c'est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Bon, j'ai appliqué mon petit marron là un peu partout là, vous voyez, sur la paupière, et du coup je vais partir sur celui-ci là, qui est voilà, un marron un peu rouille et tout, je l'aime beaucoup. Je vais prendre l'autre côté du pinceau qui est un peu plus petit, et je vais me faire un petit coin externe, vraiment, vraiment tout simple, hein. De toute façon aujourd'hui c'est make-up simple. Et le pire, je crois que le pire, c'était les vignettes. Les vignettes, quoi. Parce que, à l'époque, on dirait que je parle d'il y a 10 ans, quoi. Non, à l'époque, il y a quelques mois, je savais pas faire des vignettes, en fait. Et depuis, c'est vrai que j'ai compris que les vignettes, c'était super important, en fait. C'est ce qui fait que, voilà, vous allez cliquer sur la vidéo. Parce que la vignette va vous donner envie de regarder la vidéo. Et moi, à l'époque, je ne savais absolument pas faire des vignettes. Et quand je regarde mes vignettes, elles sont horribles. Elles sont horribles, alors que parfois le contenu de la vidéo est bien. Mais la vignette est tellement naze que... oh là là, c'est trop dommage en fait. Je me tâte à les refaire, les vignettes, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps avec le boulot, les enfants et tout. J'ai pas le temps de refaire toutes les vignettes. Mais elles sont horribles, franchement. Et à l'époque, je savais pas faire des vignettes. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand je montais ma vidéo, à un moment, je mettais pause et je prenais, je cliquais, en fait, je faisais une capture d'écran d'une image de moi dans la vidéo où je souriais tout simplement. Et après je mettais les titres et tout. Et pff, oh là là, les vignettes sont atroces. Atroces. Bon, enfin c'est pas grave, après on évolue aussi, hein. C'est le but, hein. On apprend que ce soit au niveau des montages, que ce soit au niveau des contenus des vidéos, que ce soit au niveau des vignettes, enfin bon voilà. Mais ouais, c'est la vie, mais ça m'a fait bien rigoler hier, je vous avoue que je me suis bien marrée. Ouais, du coup ce petit marron là, en fait, je l'applique là, vous voyez. Tac, j'applique sur la paupière mobile, vraiment sur le coin externe. Et en fait, je remonte comme ça, un peu plus haut que le pli de paupière. Justement, comme moi, j'ai cette foutue paupière tombante. Ça me gâche la vie, mais je vous en reparlerai de ça. Et ben,
tac, je remonte comme ça là, hop, parce que moi avec ma paupière je peux pas faire un V, c'est pas possible. Du coup je remonte, voilà, je triche un peu en fait, je remonte plus haut que le pli de paupière. Mais vous pouvez faire ça aussi si vous avez des yeux, des petits yeux ou enfin que vous voulez agrandir votre œil quoi. Et j'étire, voyez, vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Oh, ma façon de parler dans certaines vidéos. Qu'est-ce que j'ai ri. Non mais j'ai trop ri, hein. Franchement j'ai vachement ri. Hein. C'est moi-même, hein, mais j'ai rigolé. Hein. Bon, en même temps, faut pas se prendre au sérieux. Hein. Faut avoir du second degré. Hein. On évolue, on apprend. Mais voilà, je répète, mais c'est important pour moi. Si vous tombez sur ça, venez regarder les dernières, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que ne restez pas sur cette image de la Camille coincée là, en mode professeur. Alors voilà. Effectivement, puis nous avons celle-ci, nous avons également celle-ci qui est, comme vous pouvez le voir, avec des tons un petit peu plus chauds, voilà, un petit peu plus cuivrés. Oh là là. J'ai eu un fou rire en me regardant moi toute seule, j'avoue. Bon, voilà. Mmh. Oh la tête que j'ai quoi. Bon, voilà, le petit marron ça ira en fait. Tac, je l'étire bien par ici. Hop. Et je vais me faire le ras-de-cils inférieur avec la même couleur et un petit pinceau plat. Où es-tu? Je vais prendre le tout petit comme ça, nos cibles. Ça, c'est vraiment le make-up que moi je fais tous les... Enfin, pas tous les jours, mais je veux dire le plus simple, quoi. Le make-up marron, hop, hyper rapide, hyper simple, qui va aller avec n'importe quel look en plus. Là, je vous parle et tout, je papote, je discute, mais ça, quand je suis pressée, je le fais en 10 minutes. Là, sur ma petite coiffeuse, moi souvent le matin quand je me maquille, j'ai mon petit café, je me mets des petites vidéos. J'aime bien, c'est mon petit moment du matin à moi avant de commencer ma journée. Et je fais souvent ce type de make-up là. Et voilà, c'est vraiment rapide, efficace quoi. Je me fais mon ras-de-cils inférieur et je le joins bien là, vous voyez, tac. Je le relie en fait avec le fard au-dessus là de la paupière. Et je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, bien relier les deux ici là au coin externe de l'œil. Et après je continue à l'estomper ici, vraiment vers la queue du sourcil, vraiment au bord du bord quoi. Comme ça je le fais fondre avec le petit noisette que j'ai mis en tout premier, qui m'a permis de poudrer. Avec ces pharmac là je mets pas de base hein, parce qu'ils sont tellement top, enfin je veux dire, ils sont suffisamment pigmentés, très jolis, ils tiennent super bien, il n'y a vraiment pas besoin de base. Hein. Et voilà, et on va s'appliquer un dernier petit fard, le plus foncé en fait de la palette en ras-de-cils supérieur. Et puis après, on sera quasiment bon. Hein. Ouais, je prends celui-là, là, voilà. Et je vais me faire une sorte, vous savez, j'aime bien faire ça de liner en fait. Je vais prendre un tout petit pinceau style Zoeva 317, si je le... Ah non, je prends celui-là. Un petit pinceau comme ça, biseauté, ça c'est un Morphe. Et comme je mets pas de liner le matin, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps quoi, et ben je prends un fard très foncé. Donc là c'est un marron vraiment, un brun quoi, vraiment foncé. Mais des fois je prends un noir. Je vais intensifier le regard en fait en faisant un ras-de-cils avec ce petit fard bien foncé. Et je vous l'avais déjà dit ça dans certaines de mes vidéos, mais moi je préfère faire ça qu'un trait de liner en fait. Tac. Et une fois que je l'ai appliqué, en fait je le dégrade un peu, histoire que ça fasse pas un trait de fard quoi. Je dégrade un peu avec le marron du dessus, pour qu'ils se fondent bien l'un avec l'autre. Après, je vais prendre un dernier petit fard bien lumineux pour le côté interne. Et puis voilà, ce sera terminé. Avec le mascara, bien sûr. Mascara, la base des bases, quoi. Ah, juste avant d'appliquer mon petit coin interne, là, je vais reprendre le petit noisette, là. Ah, on voit mon petit appareil, que j'avais pris au tout début, pour le mettre en dessous de l'œil, un tout petit peu, comme ça, un tout petit peu sous le marron foncé. Moi j'aime beaucoup maquiller le dessous de l'œil en fait. Je trouve que si on maquille que le dessus de l'œil, il manque un truc. J'ai l'impression que le make-up est pas complètement terminé. Et en dernier je prends celui-ci donc, petit champagne comme ça, bien lumineux, juste pour l'appliquer côté interne de ma petite paupière et apporter un peu de lumière à ce regard fatigué quoi. Les mamans qui me regardent, les papas aussi bien sûr, savent de quoi je parle. Les nuits comme ça où tu galères avec ton enfant qui vomit, qui est pas bien, qui a 42 fièvres et tout, qui te réveille toutes les demi-heures. Là là là, le petit chaton. Voilà, c'est tout hein. Je le remonte un peu comme ça dans le pli de paupières. Le mascara faucheux. Et voilà ce que ça donne du coup avec le mascara. Je vous montre, voilà, je vous montre de là.
Franchement, c'est le make-up marron, nude, que je fais, comme je vous dis, hyper souvent. Pour moi, c'est le make-up classique, le make-up du quotidien, le make-up simple, rapide, efficace, vous voyez, marron, comme ça, tac, il n'y a pas beaucoup de fard, mais c'est suffisant. Allez, je vous montre vite fait dehors, et voilà, je vous montre ce que ça donne dehors, vite fait. Du coup, j'en ai profité pour détacher un peu mes cheveux, faudrait que je les hydrate un peu d'ailleurs, et voilà le petit make-up, bah du coup... Oula, il y a du vent. Aujourd'hui, il y a un vent, mais j'espère qu'il ne va pas y avoir un cyclone. Parce que quand il y a un vent comme ça à La Réunion, généralement, c'est pas bon signe. Bref, voilà le petit make-up. Non, franchement, c'est le make-up, je vous dis, que je trouve très bien. Et par rapport à la tête que j'avais ce matin en me réveillant, même un make-up comme ça, comme je vous ai dit, simple, rapide et efficace, ça sauve les meubles. Franchement, ça sauve les meubles. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de maquillage comme ça, marron. Et je crois que je devrais en faire plus souvent sur ma chaîne, parce que, je sais pas, je me dis qu'en fait c'est le make-up tellement classique, tel que tout le monde fait, tellement banal, que j'en fais pas en vidéo, alors que finalement ben, je devrais en faire. Enfin, dites-moi si ça vous aide que je fasse ça ou pas, tout en papotant d'ailleurs. Voilà, allez, je remonte. Et voilà, ben, comme d'hab, hein, on voit 10 fois mieux dehors. D'ailleurs, je suis allée à la FNAC, hein, pour savoir s'ils n'avaient pas des... à la FNAC ou enfin dans les magasins comme ça, des parapluies, là, vous savez, pour bloquer un peu la lumière, pour pas être surexposée. Et impossible d'en trouver ici. Donc, je pense que je vais devoir en commander sur, bah, sur Internet, quoi. Bon, ben, bref, voilà pour mon petit make-up... make-up nude. Make-up nude avec ma petite palette MAC. Je voulais vous parler de YouTube, voilà, je voulais vous parler de mes premières vidéos, parce que je suis tombée dessus hier soir et du coup je me suis dit, si je filme demain, il faut absolument que j'en parle, parce que je voulais partager ça avec vous, j'ai tellement ri. Mais bon, c'est pas grave, on apprend, on évolue. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, à vous abonner, à me rejoindre sur Insta aussi. Ça c'est top, parce que je publie plein de trucs. Et j'attends avec impatience que les gagnants, les gagnantes du concours se manifestent, s'il vous plaît. Parce que là par contre, si une des deux gagnantes ne se manifeste pas, je crois que je vais me dire, mais je suis maudite. Il y a un sort, il y a un problème, c'est une malédiction. Cette trousse, il ne faut pas qu'elle parte. Donc voilà, manifestez-vous, venez me voir sur Insta. J'espère que vous êtes heureuse, que vous êtes contente, j'ai hâte de vous envoyer tout ça. Et voilà, pour tout le monde, écoutez, je suis désolée, mais voilà, il y a deux gagnantes, et on croise les doigts pour le prochain concours, que j'ai déjà hâte de publier, mais allez, décembre, pour Noël, ce sera pas mal. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous surtout, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo justement. Petite répétition pour finir, mais c'est pas grave. Allez, je vous embrasse. Bye bye.